à J-100 de la sortie française du film Détective Conan, le sous-marin noir. Et la question qui revient le plus quant à ce film, c'est est-ce qu'il faut être à jour dans Détective Conan pour pouvoir le voir? La réponse est la même pour tous les films de la licence, et cette réponse est... ça dépend. Si par cette question vous entendez est-ce qu'il faut être à jour pour comprendre et suivre le film, alors la réponse est... non. Vous pouvez complètement aller voir le film que vous soyez fan du manga ou pas. Tous les films de Détective Conan commencent par une introduction de plusieurs minutes qui résume l'histoire et les personnages principaux que vous verrez dans les 10 films. Alors forcément, si vous êtes absolument étranger à la licence, il y aura forcément des références que vous aurez pas. Mais vous pouvez quand même suivre l'histoire et l'apprécier. Maintenant, si par est-ce qu'il faut être à jour, vous entendez est-ce que le film contient du spoil, alors malheureusement, la réponse est... oui. Si vous n'êtes pas à jour ou du moins très très avancé, le film vous spoilera. Mais il ne faut pas se démotiver, au contraire. Comme dit en début de vidéo, il reste un peu plus de 3 mois avant la sortie du film. Donc pour ceux qui veulent se mettre à jour ou du moins avancer le plus possible pour avoir le plus de références, c'est totalement possible. On se retrouve le 2 août au cinéma. Bisous!